Yamakita. Alors c'est un village qui se trouve à l'extrémité ouest de Kanagawa. On est juste à la frontière avec la préfecture de Shizuoka et Yamanashi aussi. Donc je suis à Yamakita aujourd'hui parce que le principe toujours le même. Je repère un truc intéressant sur Google Maps et j'y vais. Bon là aujourd'hui je suis pas à vélo. Parce que sinon j'en aurais eu pour au moins 5 heures. Donc j'ai pris le train, hein, j'ai un peu triché. Donc aujourd'hui la destination c'est la chute d'eau de Shasui. Alors on va voir ce que ça donne. Alors il est 5h moins le quart, je devrais arriver à la chute d'eau d'ici un quart d'heure. Donc j'ai fait exprès de partir en milieu d'après-midi pour arriver justement vers cette heure-là, parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. 36 à annoncer, mais bon en général ça monte plus. Surtout la température ressentie est plus forte, parce que le degré d'humidité est tel que c'est assez insupportable. Donc pour éviter tout coup de soleil, de toute façon avec ma peau, ouais, mais coup de chaleur plutôt, préférais partir au dernier moment, pour arriver au dernier moment, comme d'habitude en fait. Donc pour ça, ça va, je reste fidèle à mes habitudes. Bon, c'est indiqué d'une façon que tu peux pas te planter. Donc je suis arrivé.
Donc il y a plusieurs espèces de cigales ici au Japon. Et toutes ont un chant bien particulier. Donc ça serait bien, j'aimerais bien un jour faire un enregistrement sonore de toutes les espèces. En même pas 5 minutes de temps, on a perdu, enfin je sais pas, j'ai pas de thermomètre, j'ai pas, mais je dirais peut-être 5, entre 5 et 10 degrés à l'approche de la chute d'eau. Bon ben malheureusement je ne pourrai pas m'approcher plus près. Le pont est fermé. Le pont est dans un sale état. Et de toute façon les autres ponts pour accéder jusqu'au pied de la chute, ben, celui-là il n'existe plus. Et l'autre là-bas, il n'a pas l'air tout jeune. C'est dommage. Chasui no Taki, la chute d'eau de Chasui, bon bah c'était pas mal. J'aurais aimé m'approcher au plus près de la chute, malheureusement le chemin est inaccessible. Bon tant pis, c'est comme ça, c'est dommage. Il y a encore d'autres chutes d'eau à faire à Kanagawa, et il y a énormément d'autres chutes d'eau à faire à travers tout le Japon. Une chose que j'aimerais vraiment faire ici, c'est me faire toutes les îles. Sachant qu'il y en a plus de 6500, me faire tous les volcans, en activité, il y en a plus d'une centaine. Faire toutes les chutes d'eau du pays, ça risque d'être un projet assez difficile à réaliser. Ou alors, il faut vraiment que je gagne au loto. Donc pour ça, il faut jouer. Et bon, on va aller jouer, je crois. Ouais. Bon, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!